Bonsoir à tous. Bonjour, je vais. Allô, vous me recevez? Allô? Allô? Allô, vous me recevez? Allô? Est-ce que vous me recevez? Oui. Si vous me recevez, s'il vous plaît, veuillez écrire dans la. Allô, vous me recevez? Non, je n'ai pas le son. Donc, il n'y a rien à l'écran. Ok, le son est bon? Oui, bon, apparemment, il est bon chez moi. Ok, je vais chez les autres. Mais c'est une panthère ou bien un chat, je vois à l'écran. Je n'ai pas encore partagé l'écran, je vais partager tout de suite. Ah, ok. C'est d'abord pour voir si le son est bon chez tout le monde. Bon, chez moi. Ok, bon, on va commencer. Bonsoir, on vous reçoit. Moi, j'ai caché mon image. Oui. Ok, c'est bon. Vous voyez l'écran maintenant? Oui, moi, je vois. Ok, d'accord. Donc, c'est pas le Michel, c'est quelqu'un qui est là. Ok, ça marche. J'espère que vous êtes bien. Ça me fait sûr que. J'espère que le week-end a bien commencé. Oui, oui. Donc, ouais, ça c'est bien. Ok, d'accord. Donc, on va commencer. Ouvrez vos micros afin qu'on puisse commencer. Ok. Bonsoir Madame Koné, bonsoir Madame Guima. Bonsoir. Monsieur Nombré, bonsoir. Monsieur Ozias. Ok, bonsoir à tout le monde. Donc, on va commencer. Mais s'il vous plaît, couper les micros afin qu'on puisse commencer. Aujourd'hui, on va manger un truc avec un bébé avec poulet. Non, poulet braisé. Là, c'est un calendrier économique pour la semaine prochaine. On va rapidement faire la liste fondamentale sur les événements à venir pour la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, le lundi 13 mai à venir, le lundi prochain, on n'a pas grand-chose. On n'a rien pratiquement. Le mardi 14, c'est là que les bonnes choses commencent. Donc, le mardi 14 mai, le mardi qui vient, le mardi prochain, à 9h30, GMT plus 1, c'est-à-dire 8h30, GMT 1 du matin. On a des salaires moyens bonus y compris, ainsi que l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi. On n'a pas ton écran, hein? Allô, où est mon écran? Oui. Où est l'écran? Oui, bon, mais... Je vois. Vous avez un calendrier économique? Oui, c'est bon pour moi, c'est bon.
Ok, on continue. Donc, je disais qu'à 8h30 du Burkina, on a l'évolution de demandeurs d'emploi. Donc, le nombre de demandeurs d'emploi, en quelque sorte, c'est comme le taux de chômage. Quand on dit évolution du nombre de demandeurs d'emploi, si le nombre de demandeurs d'emploi est élevé, vous voyez, ça veut dire qu'il y a plus de chômeurs. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Si le nombre d'emploi est bas, ça veut dire qu'il y a moins de chômeurs. Actuellement, sur le calendrier, qu'est-ce qu'on a? Comparativement au mois passé, la prévision ce mois-ci est de 20 000. 20 000 d'emplois contre 28 300 le mois passé. Donc, si on a 20 000 contre 28 300 le mois passé, ça veut dire que le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 8 300, si c'est vraiment ce qui sort. Donc, si le mardi prochain, les résultats sortent, et on a des résultats inférieurs ou bien égaux à 20 000, au niveau du nombre de demandeurs d'emploi, alors là, ce sera positif. On va chercher dans la CGEP. Le nombre de demandeurs d'emploi est bas. Ça veut dire que le taux de chômage est bas. Et si le taux de chômage est bas, cela voudrait dire que la devise concernée, par contre, si la devise concernée, à acheter cette devise-là. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si là où le nombre de demandeurs d'emploi sera supérieur à 20 000 à la prévision, alors là, cela ne serait pas bon pour GBP. Et là, vous allez voir que les pairs en GBP vont commencer à chuter. C'est vrai, ça n'a pas chuté trop longtemps. Vous savez, quand il s'agit des news économiques, le truc très rapidement, si vous voulez traiter ça, le truc, quelques minutes au plus, deux minutes au plus, vous allez après la prochaine, vous allez la fermer. Donc, quand ce serait négatif pour GBP, vous allez voir ça en rouge, quand ce serait négatif, on va chercher à vendre les paires en GBP, pas toutes les paires. Certaines paires, après la direction, donc on va chercher à vendre les paires en GBP, dès la petite variation est rapidement sortie. Mais je sens un peu mauvais chez toi avec Ken. Est-ce que tu n'es pas à côté d'un ventilo? Non, c'est bon. Peut-être parce que je suis un peu proche du micro. C'est bon maintenant? Ouais, bon, c'est mieux qu'avant en tout cas. Ok, magnifique. Donc, à part l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi sur la terre et sur la devise GBP, nous avons l'indice du sentiment économique allemand. Donc ça, bon, sincèrement, ce n'est pas un truc que je traite, ce n'est pas un truc que je considère vraiment. C'est vrai, ça influe sur les prix en euros, mais je ne vous conseille pas vraiment de traiter ça. Donc ça, bon, pour ceux qui veulent traiter les news économiques, ce n'est pas très important selon moi. Mais quand même, vous me suivez, parce que si vous avez des positions en cours sur l'euro, ça peut jouer sur ces positions-là. C'est bon, vous comprenez? Si vous comprenez bien, levez la main, s'il vous plaît. Ok, magnifique. Donc, Brésil, bon, on ne traite pas les devises du Brésil, donc on ne traite pas ça. Le mercredi 15 mai, qu'est-ce qu'on a? Production industrielle, Chine. Prévision 6,5% contre 8,5%. Donc, la prévision est inférieure au précédent. Ce qui voudrait dire, quand c'est production industrielle, plus il y a de production industrielle, plus l'économie du pays est favorisée. C'est bon? Donc, moins il y a de production industrielle, moins l'économie est favorisée. Donc, ici, dans notre cas, ici, qu'est-ce qu'on aura si les résultats qui sortent sont vraiment inférieurs ou bien égaux à la prévision? Alors là, ce n'est pas bon pour la Chine. Et là, on pourrait prendre des positions sur les pays en AUD comme sur NZD. Vous avez vu la corrélation au cours de la formation avec M. Ulrich. N'est-ce pas? CNY, AUD, NZD. OK. Donc, si les résultats sont négatifs ou bien égaux à la prévision, cela ne serait pas bon pour la Chine, pour la devise chinoise et de même pour les pairs en AUD et NZD. Donc, dans ce cas, pour ceux qui seront en veille, parce que c'est à 3 heures,
heure du Bénin et 2h, heure du Burkina, pour ceux qui seront en éveil à l'heure-là, vous pouvez essayer de capter quelques pips, 10 pips, 15 pips, sur certaines paires en AUD, comme sur NZD également. Mais je vous dis que si quand, l'information qui veut sortir n'est pas directement liée à la devise, l'impact est moins élevé. Ouais, donc si c'était directement AUD, le mouvement serait beaucoup plus violent que dans notre cas ici. Donc vous devez savoir, vous qui voulez trader ces news-là, vous devez savoir comment rapidement sortir. Il faut être très rapide sur ces news-là. Vous entrez, tac, vous sortez. Vous entrez, vous prenez, vous sortez rapidement. Donc voilà. Donc après ça, à 7h, heure du Bénin, 6h, heure du Burkina, on a les PIB allemands. Euro. Prévision 0,4, précédent 0. Donc supérieur à la prévision. Production industrielle. Supérieur à la prévision, ce qui voudrait dire que c'est favorable pour l'euro. Donc si ce qui sort le mercredi prochain à 6h de chez vous est vraiment supérieur à la prévision ou bien égal à la prévision, alors là, on va chercher à acheter l'euro. Euro, euro USD, euro CHF. Et tout ceci, c'est après analyse, bien sûr. Hein. Donc, je rappelle toujours, c'est pas sûr, on ne parle pas sur les paires n'importe comment pour entrer en position. Vous avez déjà pré-analysé, vous savez qu'il y a l'information à 6h du matin, vous avez déjà pré-analysé et vous savez déjà quand est-ce que vous allez entrer, quand est-ce que vous allez sortir. Avant que les résultats ne sortent. C'est bon? Ok, je continue. À 13h30, toujours le mercredi 15 mai, on a les ventes au détail USA. Ventes au détail. Prévision de 0,7, précédent de 1,2. La prévision, elle est inférieure au précédent. C'est bon. Ce qui voudrait dire que si vraiment les résultats qui sortent sont égaux à la prévision ou inférieurs à la prévision, ce serait négatif pour le dollar. Et là, on va chercher à vendre le dollar. Mais si les résultats qui sortent sont supérieurs à la prévision, alors on va chercher à acheter le dollar. Donc, c'est un principe très simple. Hein. Je pense que c'est un truc très simple que vous pouvez tous faire. Analyse fondamentale avec le calendrier économique, c'est vraiment très simple. Vous voyez comment c'est facile, on évolue très vite. À 13h30 également, vous avez IPC Corp Canada. Ici, ils ne nous ont pas donné la prévision. Dans ces cas, je vous conseille de laisser tomber, de ne rien faire, puisque vous ne savez pas ce qui va sortir. Donc, au cas où dans la semaine, ils vont donner ça, ils vont nous donner la prévision. OK, là maintenant, on pourrait agir, mais actuellement, on ne peut encore rien dire sur ça, parce qu'ils ne nous ont pas donné la prévision. On ne peut pas travailler avec ça. Pareil pour le stock de pétrole, toujours le mercredi à 14h30. Ils ne nous ont pas donné la prévision non plus, donc on attend pour voir ce qui va se passer. Peut-être au cours de la semaine, ils vont mettre ça sur le calendrier et on pourra avoir accès à ça. Ok, maintenant passons au jeudi. Le jeudi à 2h30, le jeudi 16 mai à 2h30, heure du Bénin, 1h30, heure du Burkina, on a évolution de l'emploi, AUD. Bon, vous savez que les informations sur AUD donnent beaucoup d'argent. ça part vraiment très vite et bon, vous pouvez vraiment profiter de ça. Vous pouvez vraiment profiter de ça. Bon, c'est vrai, c'est dans la nuit, c'est à 1h30. Certains seront en train de dormir, mais je vous jure, c'est des trucs qui donnent vraiment de l'argent. Les trucs du AID, NZD, les trucs de la nuit, là. C'est vraiment très bon à trader. Donc, ici, dans notre cas, on a évolution de l'emploi. C'est bon, évolution de l'emploi. Est-ce qu'il y a emploi dans le pays? C'est bon? Est-ce qu'il y a emploi dans le pays? Et ici, on dit précédent, 5,7 000 emplois. C'est bon? Maintenant, la prévision est de 14 000 emplois. Ça veut dire que la prévision est inférieure au précédent. Il y a moins d'emplois ce mois-ci. Ce qui veut dire que ce n'est pas bon pour l'économie du pays, pour l'économie de l'Australie. Donc, si vraiment les résultats sortent, c'est bon, et que l'actuel, ce qui va sortir, sera égal, est égal ou bien inférieur à la prévision, alors ce serait pas du tout bon pour AUD. Regardez la différence, 14 000, 15 000. Vous voyez, c'est pratiquement 10 000. 10 000, 11 000. Donc, si vraiment les résultats qui sortent sont égaux à la prévision ou bien inférieurs à la prévision, vous allez voir que
les pères en AUD ont chuté violemment. C'est que les pères qui auront AUD comme devise de base ont chuté violemment et les pères qui auront AUD comme devise ou comme partie vont monter. C'est bon. Mais ce mouvement-là, je dis chuté violemment, je vous rappelle que ce sont des mouvements à très court terme. À très court terme, donc, ça va chuter, certes, mais il faut vraiment être là pour prendre. Si ça part, ça vous laisse. Si vous n'êtes pas là, quand l'information sort et que le mouvement est à déclencher et vous n'êtes pas dedans, vous serez mieux maintenant de laisser. Il ne faut pas entrer après que le mouvement soit déjà déclenché. C'est que le marché a déjà décalé de quelques pips et c'est maintenant que vous voyez ça et vous voulez quand même entrer dedans. Ça va vraiment jouer contre vous. Parce que ça peut revenir à tout moment. C'est le premier mouvement qu'il faut prendre. C'est le premier mouvement qu'il faut profiter. C'est bon? Donc voilà. Donc, ça, je parlais du cas où, au cas où ce serait négatif, au cas où ce serait égal à la prévision ou bien inférieur à la prévision. Maintenant, au cas où ce serait supérieur à la prévision, très simple, on va essayer d'acheter les paires en AUD. Les paires qui auront AUD comme devise de base. C'est bon? AUD USD, AUD JPY, AUD CAD, AUD CHF. Et les paires qui auront AUD comme devise de contrepartie, on va les vendre. C'est un principe très simple. C'est un principe très, très, très simple. Si l'information, si la prévision qui est donnée, c'est bon, est inférieure au précédent, en fonction du contexte, hein, en fonction du contexte, bien sûr, vous allez chercher à vendre. Si les résultats sortent et sont vraiment égaux à la prévision, vous allez chercher à vendre la devise concernée. Et si les résultats sortent et sont supérieurs à la prévision, vous allez chercher à acheter la devise concernée. Donc, à 13h30, qu'est-ce qu'on a? On a les permis de construire. Yes. Permis de construire, c'est aussi un facteur économique très important pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que vous savez que pour que l'économie d'un pays s'accroît, il faut qu'il y ait des constructions, des infrastructures, des entreprises et tout ça. Donc, s'il y a plus de permis de construire, ça favorise l'économie du pays parce qu'il y aura plus de construction, il y aura plus d'entreprises qui vont se mettre en place, ainsi de suite. Donc, sur USD à 13h30, heure du Bénin, et 12h30, heure du Burkina, nous avons les permis de construire. Le précédent était de 11 288 000. La prévision est de 11 290 000. L'écart n'est pas très, très, très grand. C'est bon? 11 290 000 et ici c'est 11 288 000. On a juste 2 000 de cas. C'est bon? Donc, ça, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vraiment surveiller ce qui va sortir. Si ce qui sort est très, 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 avoisine vraiment les 11 290 000, cela voudrait dire que si par exemple c'est 11 291 000 et 11 292 000 qui sort, c'est vrai, c'est positif, mais ce n'est pas très loin du résultat précédent. Donc, ça ne va pas vraiment trop jouer. La volatilité ne sera pas très grande. C'est bon. Mais si ce qui sort, par exemple, est de 2 millions, là, ça va vraiment bouger. Ou si ce qui sort est inférieur à 11 290 000, par exemple, ce qui sort est de 11 100 000, là également, ça va bouger à la baisse. Donc, si les résultats qui sortent sont positifs, c'est-à-dire égaux à la prévision ou bien supérieurs à la prévision, on va chercher à acheter les dollars. Et si les résultats qui sortent sont inférieurs à la prévision, on va chercher à vendre le dollar. Je ne sais pas si vous avez compris un peu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pardon, Ken, je n'ai pas compris. Ok, quelle partie? La partie sur USD, c'est ça? Oui, oui, surtout les mouvements. Toutes les informations économiques sortent là, quand c'est égal à... Ok. Donc, je dis que, ici, vous avez USD, permis de construire. C'est bon? Donc, le précédent est de 11 288 000. La prévision est de 11 290 000. L'écart n'est pas du tout grand. C'est que c'est juste 2 000. C'est bon? L'écart n'est pas très grand. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? On va surveiller ce qui va sortir. Lorsque ce qui va sortir sera soit égal à la prévision ou bien supérieur à la prévision, on va également voir le chiffre. Si le chiffre qui sort est peut-être
11 291 000. Vous savez, 11 291 000, c'est supérieur à 11 290 000. Mais c'est, ça avoisine les 11 290 000 et ça avoisine également les 11 288 000. Ce n'est pas très loin. Donc, quand c'est comme ça, quand les résultats, quand les statistiques sont serrées comme ça, la volatilité n'est pas très élevée. Donc, dans ces cas, vous pouvez entrer dans ces cas. Vous pouvez entrer et profiter de ce petit mouvement. Mais le mouvement n'est pas très, très, très fort. C'est bon? Et ceux qui sortent, par exemple, est de 2 millions, si ce qui sort ici est de 2 millions, alors là, vous aurez un très bon mouvement que vous pouvez vous reprendre. Profitez. 2 millions est supérieur, est vraiment supérieur à 1 million 280. Et 2 millions est vraiment supérieur à 1 million 280. Donc, si c'est 2 millions qui sort, si c'est 2 millions qui sort, ou bien même 1 million 500, c'est très bon. Vous pouvez prendre ce trade-là. Mais si ceux qui sont avoisinent vraiment les 1 290 000, c'est-à-dire entre 1 290 000 et 1 300 000, ça va bouger, c'est vrai, ça va bouger, mais la volatilité ne sera pas très élevée. Je ne sais pas si vous avez compris maintenant. Allô, c'est bon, vous avez compris? Oui, j'ai compris, c'est bon. Okay. Merci. Ok. Donc, après ça, vous avez indice manufacturier de Philadelphie. Bon, ça, c'est pas. Vous n'avez pas besoin de traiter ça. Hein. Ça oui. Vous pouvez quand même surveiller et voir ce qui va sortir. Parce que si vous avez des trades sur le dollar, déjà, et vous voyez qu'il y a ces deux informations-là, que le 30, vous devez déjà commencer par suivre parce que si par exemple vous êtes à l'achat sur le dollar et que les résultats qui sont négatifs, alors ce n'est pas bon pour vous. Et ouais, bon, si c'est quelqu'un qui fait des trades, c'est le même lieu, de vite sortir, lorsque les résultats vont aller contre vous. Donc, si vous ne voulez pas traiter les vidéos, c'est quand même très important de suivre les calendriers économiques pour voir vraiment ce qui sont les résultats et les statistiques qui sortent afin de voir si ça part dans votre sens, si c'est compliqué. Et donc, vous devez vos positions. Ok, je continue. Le vendredi 17 mai à 10h, qu'est-ce qu'on a UTC à Miel sur l'euro. Ça aussi, c'est très important. L'indice des prix à la consommation, c'est également très important. Donc, vous pouvez suivre ça. Vous avez vu la prévision est de 1,7. Le précédent est de 1,7. Donc, nous allons juste attendre ce qui va sortir et savoir dans quel sens on va aller. Si ce qui sort est supérieur à 1,7, alors là, on sera aussi sur l'euro. Quelques secondes, quelques minutes au plus. Et si ce qui sort est inférieur à 1,7, on sera baissé euros en prenant quelques minutes. Donc, je pense que c'est tout pour le calendrier de la semaine à venir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, moi, j'ai une question. Oui. Oui, surtout concernant les informations, les annonces économiques là. Oui. Voilà qu'on ne peut pas prédire à l'avance que l'information ira dans le sens de serait positif ou bien serait négatif pour la devise concernée. Oui. Maintenant, voilà que le résultat sort à l'heure où c'est prévu que ça va sortir. Ouais. Et on n'a pas tout le temps pour pouvoir aller sur le marché pour se positionner sur le marché. Ouais. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que vous arrivez à se positionner sur le marché vis-à-vis de l'annonce économique qui s'est faite. Ok. Ok, ce que vous pouvez faire, c'est que vu que l'information est sortie avant, vous ne savez pas dans quel sens ça va aller, vous pouvez déjà placer les ordres en attente. Buy stop comme sell stop. Je pense qu'on a fait ça au cours de la formation. Vous allez placer les ordres en attente et placer les TP précis. Dès que l'information sort, et que vous avez buy stop, sur peut-être USD4, peut-être l'information sort et que c'est négatif, ça ne vous envoie pas, vous supprimez votre compte. Mais si l'information sort et que ça va dans votre sens, c'est-à-dire que votre buy stop est activé, c'est bon, vous suivez et vous coupez au profit. Dès que vous avez vos profits, vous fermez la position. Je dis que votre micro n'est pas, le son n'est pas trop bien.
Le son, on est pas très bien. On ne vous entend pas très bien. C'est mal. Allô. Oui, monsieur Ken, on est là. Oui, vous me recevez? Oui, on vous recevez. Oui, maintenant ça va. C'est bon? Ok. Donc, je pense que c'est pour le calendrier. Donc, maintenant, on va passer à l'analyse technique. On va essayer d'établir quelques plans pour la semaine à venir sur. Ok, moi j'ai une question en fait. Oui. Moi, j'aimerais savoir en fait, quand l'annonce économique sort là, est-ce que l'annonce économique modifie carrément la tendance de la paix ou bien la tendance, après l'annonce économique, la tendance continue, c'est-à-dire que ça monte puis ça revient ou ça descend, ça revient et que la tendance même du fond continue ou bien ça modifie carrément la tendance du fond à de la paix. Non, ça ne modifie pas la tendance du fond de la paix. Si vous avez une tendance haussière, c'est bon, bien définie, bien tracée, et que l'annonce sort, et que ça va chuter pendant un moment, et après l'annonce va reprendre, et ça va reprendre. Ah, ok, d'accord. Ok. Monsieur Guen, s'il vous plaît. Allô? S'il vous plaît, monsieur Guen. Oui, oui. Donc, dans ce sens-là, si par exemple on sait que si l'information sort que c'est positif, par exemple, que ça monte, si ça ne change pas l'annonce du fond, là, donc, est-ce qu'on ne peut pas prendre des corrections? Je n'ai pas très bien compris la question. Je dis, par exemple, si on est dans un mouvement qui est haussier et puis l'information économique sort, si l'information est par exemple baissée. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas attendre pour prendre une correction quand ça va sortir, la reprendre en même temps la correction, même si on a raté le mouvement? Ou bien c'est pas prudent de prendre des corrections? Ok, si par exemple on est en tendance haussière et que l'information est négative, c'est ça? Oui, oui. Ok, si on va attendre de reprendre la correction, tu parles de quelle correction? La baisse ou bien lorsque ça va vouloir repartir à la hausse? Si ça sort que ça va à la baisse, on a attend la correction. Aller vers la hausse. Ok, vous savez, si l'information sort comme ça, même si ça chute, vous savez que quel que soit ce que ça va faire, ça va passer une tendance. Okay. Ça va faire quoi? Une tendance qu'on pourra tracer. Donc, si ça chute, pendant un moment donné, peut-être la tendance est haussière, c'est bon, et que l'information sort, c'est négatif. Donc, ça va chuter pendant un moment donné. Ça va vous tracer une tendance. Vous allez tracer la tendance là, vous pouvez tracer la tendance là en 15. C'est bon. Et dès que la tendance est cassée, vous entrez en position maintenant pour continuer la tendance de fond. Ok. C'est bon, vous avez compris? Oui, oui, merci. Ok. Donc, on va continuer avec l'analyse technique maintenant. Je vais passer sur les dates. Oui, vous pouvez paramétrer l'heure des annonces sur l'heure du Burkina. Il vous suffit d'aller ici, là où c'est l'heure actuelle. Là. Vous cliquez sur ça, c'est bon. Et vous mettez GMT. Bon, GMT. Ouais, la rave est fermée. Vous mettez GMT. Margot. Lorsque vous cliquez sur GMT, automatiquement, vous avez l'heure du Burkina. Puisque l'heure du Burkina, c'est le GMT. Donc, lorsque vous cliquez sur GMT, vous avez ça automatiquement. Oui, Ken, pardon, une dernière question, en fait. Oui. Par rapport aux annonces économiques, là, en fait, moi, j'ai remarqué que juste avant les annonces économiques, il y a des fluctuations sur la paix concernée. Oui. Juste avant que les résultats sortent. Oui. Ah. Voilà. Maintenant, si tu mets ton stop, ton buy stop ou ton sell stop, là, souvent... En fait, on a l'impression que souvent, la fluctuation peut venir en fait, déclencher l'ordre. Oui. Bon, dans ce cas-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire parce que j'ai suivi un peu la semaine passée, là, juste avant la publication de l'annonce, on voit des fluctuations terribles. On sait, ça monte. Dans ce cas, si tu places un buy stop ou un sell stop, avant l'annonce même, là, le sell stop ou le buy stop là, peut être sauté. Oui.
Et c'est pourquoi... Voilà, maintenant, bon, je sais pas, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est pourquoi lorsque vous voulez placer les bases dans vos messages, il ne faut pas trop rapprocher non plus. C'est que, comme on vous a dit, il faut mettre ça au-dessus du sommet précédent et en dessous du creux précédent. Donc, si par exemple, on veut sortir peut-être à 13h30, donc, bon, si la langue veut sortir à 13h30, c'est à 13h, c'est 5 minutes. 5 minutes à 10 minutes avant la sortie de la langue que vous utilisez vos ordres. Avant. Si vous placez 15-20 minutes avant que la réunion sorte, et ça bouge, vous allez déclencher votre ordre. Si vous placez 5 à 10 minutes, vous savez que c'est une seule bougie. C'est une seule bougie, elle va sortir dès qu'il y a la réunion. Sur ma... Où est-ce que tu vas conduire? Ok, j'ai une dernière question. Wow. Allez. Les gars, on va arriver à 23h. Allô? Allô? Oui, moi, j'ai pas fini. Ok, monsieur Ozias. Vas-y, soir. Oui, moi j'avais pas fini en fait. Laissons la parole à monsieur Ozias. Est-ce que les autres peuvent couper le micro pendant que sinon ça, il y a des interférences? C'est mieux. Vous pouvez couper mon micro s'il vous plaît. Voilà, monsieur Ken. Oui. Voilà, donc j'ai compris par rapport à les 5 minutes. Allô? Oui. Voilà, mais c'est par rapport aux annonces économiques, là, c'est mieux de les prendre à H1 ou bien dans quel time frame c'est vous conseillez de prendre les annonces là? Oui, c'est en M15. À M15? Oui. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez couper dans la fenêtre de conversation. Merci. Ok, moi je pense que c'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, veuillez poser dans la fenêtre de conversation. Ok. Donc, je vais continuer avec l'analyse technique rapidement. Donc, voilà, je suis sur la plateforme MetaTrader 4 Insel. Donc, vous avez mon graphique qui est là. Ok, donc voilà, je viens. Ok. Oui, Yann. Oui, j'aimerais savoir comment fait-il le swing trading parti des graphiques et quel est le temps utilisé. Ok. Ok, donc on fera tout ça dans la liste technique. Merci beaucoup pour la question. Donc ici, je suis, bon, comme on disait souvent, si vous voulez trader les paires en dollars, il faut partir de l'indice du dollar. Donc là, je vais commencer l'analyse par l'USDX, l'indice du dollar même. Et si je suis en bandier, journalier, DR. Donc ici, c'est le graphique de l'USDX. Bon, par rapport au nombre de pips avisés pour les news économiques, je pense que déjà 10, 15, 20 pips, c'est déjà bon. Il y a suffisant. Donc, ok, voilà. Donc, ici, c'est le graphique de l'USD Nice. C'est bon. Je réduis. Donc, vous voyez, bon, ça, c'est l'USD Nice en gros. Je zoome un peu. Voilà. Donc, on va essayer de tracer les droits de les différentes droits de tendance. Je quitte complètement ce bas-là. Je trace. On va prendre un truc comme ça. Voilà. À part ça, on a également. Un truc comme ça.
Voilà. Je vais mettre ça pour continuer. Ok, donc, ici on a les sommets. Voilà. Ok, donc ça c'est le graphique du dollar, l'indice du dollar même, USD Nice. Donc vous voyez que avec cette droite de tendance là, ce qu'on a ici, ce que j'ai mis en pointillé là, ce qui est là, vous voyez qu'on a eu un premier point de contact ici, un second point de contact, un troisième point de contact. Donc là, on est pleinement en tendance haussière depuis 2018, hein, depuis, je vais voir la date. Donc, on est en tendance haussière depuis, disons, avril 2018. Donc, on est toujours en tendance haussière. Cette petite droite nous sert de support. Donc, tant qu'on restera au-dessus de cette droite-là, on va chercher uniquement des points d'ancrage à l'achat. Donc, c'est bon. On va chercher uniquement des points d'ancrage à l'achat. On peut tracer des trucs comme ça. Donc, en gros, là, déjà, on sait que le dollar est au-dessus d'une droite de tendance haussière. Donc, on veut chercher uniquement des points d'entrée à l'achat. Donc, si on veut chercher uniquement des points d'entrée à l'achat sur le dollar, cela voudrait dire que toutes les paires qui auront le dollar comme devise de base, on va chercher à les acheter. Et toutes les paires qui auront le dollar comme devise de contrepartie, on va chercher à les vendre. Donc, ça, on sait déjà ça. On sait que le dollar est haussier. Donc, on a déjà noté ça dans notre calepin. Maintenant, on passe sur les paires maintenant, euro, USD et autres. Donc maintenant, je passe sur l'euro USD. Donc le dollar est haussier. Le dollar est au-dessus d'une voie de tendance haussière. On n'est pas encore passé sous la droite. Et tant qu'on sera au-dessus de cette droite de tendance, alors là, on va seulement chercher à acheter le dollar. Si je pars par exemple en H4, toujours sur l'indice du dollar, hein, je pars par exemple en H4, vous voyez, on a un truc comme ça. Vous pouvez tracer cette petite droite de tendance baissière. Voilà. Je vais la mettre en rouge, voilà. Voilà. Donc ici, si vous allez en H4, vous avez la possibilité de tracer cette petite droite de tendance baissière. Et si on regarde très bien, on voit que ici, on a une forme de triangle. Hein. Ça va, ça tape, ça va, ça tape. Donc, les sommets de plus en plus bas, mais les creux sur le même niveau. Donc ça, c'est un triangle descendant. Donc, on peut surveiller déjà ça, on peut déjà surveiller ça en H4 et voir. Dès que ça va casser, alors là, ce sera notre signal d'achat pour le dollar. C'est bon? Donc, on peut surveiller déjà ce graphique-là et dès que les prix vont sortir, pas l'euro. Peut-être quelque part ici, peut-être quand ça va casser pas l'euro, là, on va chercher à acheter le dollar. Mais tant qu'on est au-dessus de cette droite de tendance-là, tant qu'on est au-dessus de ce support, on va seulement chercher l'achat. C'est bon? Donc, notre signal d'achat sur le dollar serait la cassure de cette petite droite de tendance spéciale, de cette petite résistance spéciale. Donc, et que les prix vont monter et casser, là, on pourrait entrer à l'achat pour aller viser ce premier niveau-là. Peut-être, on va viser ce premier sommet et après ce sommet-là. Je vous rappelle que l'indice du dollar, vous pouvez également trader ça directement. Vous pouvez prendre des positions sur ça. C'est vrai, les variations ne sont pas très grandes et les gains ne sont pas énormes. Donc, vous pouvez quand même prendre des positions sur ça. Nous utilisons ça pour faire des analyses, pour pouvoir prendre des positions sur d'autres paires. Nous utilisons ça pour connaître la tendance de fond du dollar et pour pouvoir travailler sur les autres paires. Donc, vu qu'on sait que le dollar est haussier, on sait déjà comment agir. Allô, vous me recevez? Allô, oui, on te reçoit maintenant. Moi, je vois maintenant. Ok, donc c'est bon. Donc voilà, donc maintenant, on sait déjà à quoi s'en tenir pour le dollar. On sait déjà comment le dollar est. Donc, on sait déjà comment on va travailler sur les autres paires de devises. Donc maintenant, on part sur EURUSD. Je suis toujours sur le graphique daily. EURUSD également, je suis sur le graphique daily. Donc EURUSD, c'est ce qu'on a.
Voilà. Voilà. Donc, sur le relief, on peut tracer une droite de tendance. Une tendance baissière comme ça, en thème, c'est bon. On peut également tracer une petite droite qui passe par les creux de la figure. Je vais voir. Vous pouvez tracer un truc qui passe par là. C'est parce que moi, j'avais déjà, je travaille déjà le relief du queue. J'ai ce réflexe-là. Donc, vous avez cette petite droite qui passe également par les creux. Vous avez une fois ici, une fois. Donc, ça fait trois fois. Donc, les deux forment un biseau descendant. Ouais, donc, le queue est en train de se coincer. Donc, il n'y a plus de volatilité comme il y avait ici. Donc, c'est en train de serrer déjà. Donc, là, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est bon? Le queue est sûr. On sait qu'en D1, le relief D est sous une résistance baissière. C'est bon? Donc, le plan serait quoi? On va seulement chercher avant le relief D, quand on va rester sous cette résistance. C'est vrai, on est dans un biseau qui est en train de se refermer déjà, mais le plan serait seulement avant le relief D, tant qu'on est en dessous de cette résistance baissière. Si on ne passe pas au-dessus de cette résistance en bornée finale, on ne va pas acheter le relief D. C'est bon? Et puisque le dollar est haussier, et qu'on a vu que le dollar est au-dessus d'une barre de tendance haussière, et puisque dans l'euro USD, il y a le dollar, et que le dollar est devise de compte partie, très simple, on doit vendre l'euro USD. Donc, on va chercher des plans de vente sur l'euro USD. Je pars maintenant en H4. Je pars en H4. En H4, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de tracer ce support-là, passons par les mèches là. C'est bon. On peut tracer ça. On a ces creux-là qu'on peut également tracer. Cette zone-là, voilà. On a également cette zone-là. Voilà, qu'on peut tracer. Donc, c'est vrai que vous avez la zone-là. Vous avez vu la zone-là. Cette zone, la zone que j'ai tracée là, ça fait réagir le prix plus d'une fois. Hein. Vous avez une fois ici, deux fois, trois fois. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8e fois la semaine passée. Donc, au cas où les prix vont franchir cette zone-là et venir franchir notre résistance baissière en termes de prix, là, on pourrait chercher à entrer à l'achat. Mais ce serait un peu risqué puisque le dollar est toujours au-dessus de sa droite de tendance haussière. Donc, puisque le dollar est au-dessus de sa droite de tendance haussière, on doit seulement chercher à vendre l'euro-USD. Donc, le plan à la vente sur l'euro-USD serait quoi? Déjà, vous pouvez même déjà vendre ici. Puisque c'est une zone de résistance qui fait que repousse le prix à chaque fois. On peut déjà vendre ici. Mettre le stop loss au-dessus de ce sommet-là, ou bien juste au-dessus de la résistance. Mais ce serait mieux de mettre au-dessus de ce sommet, c'est-à-dire ici. Donc vous mettez votre stop loss au-dessus là. Voilà, le stop loss est ici. Et vous mettez votre TP complètement en bas. Toutefois, vous savez qu'au cas où les prix vont franchir ce niveau, vous vendez là, vous mettez votre stop loss là. Mais vous savez quand même qu'au cas où les prix vont franchir ce niveau et venir franchir la résistance baissière, vous n'allez pas attendre que le prix aille toucher votre stop loss. Vous allez fermer la position en perte. Donc, si vous vendez là, votre premier TP sera dans cette zone-là. C'est bon? Et si les prix arrivaient à casser, à franchir ce support ascendant, ce petit support ascendant qu'on a tracé, cette petite droite qu'on a tracée là, vous allez encore renforcer votre position. La première position que vous avez prise à la vente ici, vous pouvez la renforcer. Donc, peut-être ici, vous avez pris 0,8, 0,2. Quand ça va casser cette zone, vous allez revendre encore une fois pour un volume de 0,8, 0,1. Et vos TP seront en bas, complètement en bas ici, dans cette zone-là, la zone des deux mèches-là. C'est bon? Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, pas trop bon. Ok. Je recommence. Je disais tantôt que puisque le dollar est haussier, que le dollar est au-dessus d'une droite de tendance haussière, c'est bon, on doit chercher à acheter le dollar. Et pour acheter le dollar, il faut acheter les paires de devises dans lesquelles le dollar est devise de base, c'est-à-dire USDJPY. USDCAD, USDCHF et autres. Mais il faut vendre les devises dans lesquelles le dollar
fait la contrepartie, comme EURUSD, CBPUSD, AIDUSD et autres. Donc, dans notre cas ici, on est sur EURUSD. Et puisque le dollar est haussier, c'est bon, on va chercher à vendre EURUSD. Parce que là, le dollar est devise de contrepartie. Donc, dans notre analyse, qu'est-ce qu'on a? On a cette zone de résistance-là qui s'était On a plus le son, mais il y a plus le temps. Je disais que ici, on a une zone de résistance. C'est bon? Cette zone repousse le prix à chaque fois. Actuellement, on est dans cette zone-là. On est en train d'être repoussé. Parce que vous voyez, on est allé buter une première fois, on est revenu. Ici, on est allé taper, on est en train de revenir. C'est bon? Donc, si vraiment on revient, ce serait bon pour nous. Donc déjà là, puisque c'est une zone de résistance, vous pouvez déjà anticiper le retour des prix. C'est vrai, c'est un peu risqué, mais vous pouvez déjà prendre ce trade-là. Vous entrez en vente à ce niveau-là, à l'ouverture du marché, c'est bon. Vous mettez votre stop loss, peut-être au-dessus ici, mais au-dessus ici, ce serait beaucoup plus risqué. Vous mettez peut-être complètement en haut ici, au-dessus de cet euro-là. Donc à ce niveau-là, c'est ça qui est en haut ici, un stop loss là, et vous mettez un TP complètement en bas ici. Donc là, vous aurez certainement un ratio de 1,5 pour 1. Ouais, donc, vous vendez là à ce prix, vous mettez un stop loss complètement en haut là, vous mettez un TP complètement en bas ici. Et vous surveillez. Lorsque vous êtes en train de surveiller, vous avez pris la position a commencé par parler, c'est bon. La position a commencé par se dérouler, et vous avez vu que qu'on a cassé la zone là. Donc, notre hypothèse n'est plus valable. Donc, même si notre hypothèse n'est plus valable, on a quand même cette résistance baissière là qui est là et qui peut toutefois faire repousser le prix, puisque c'est une résistance baissière qui a déjà repoussé le prix plusieurs fois. Donc, tant qu'on ne franchit pas cette résistance baissière, on est toujours dans le scénario. C'est vrai, notre premier plan ici de rejet à ce niveau a été faussé par la cassure, mais on est quand même toujours dans le scénario baissier. Donc, tant qu'on ne franchit pas cette zone-là, le scénario n'est pas encore gâté. Mais alors, vous êtes là. Oui. Excusez-moi, c'était un appel entrant là que je devais prendre. Donc, on continue. Donc, voilà, je disais que après la cassure, si on vend ici et il y a cassure ici, on ne va pas automatiquement fermer la position parce que puisque notre stop loss est complètement haut ici, on va laisser voir comment ça va se dérouler. Si le prix vient franchir maintenant cette résistance T là, là maintenant, on va fermer la position. On ne va pas attendre que le prix aille toucher notre stop loss. Là, automatiquement, on va fermer la position. Maintenant, si notre scénario se déroule très bien et que le prix est rejeté vraiment et que ça continue de chuter et qu'on vient casser cette zone, si on avait pris un volume ici, on va essayer de renforcer la position à la cassure ici. Donc, si peut-être ici, vous l'avez vendu pour 0,02 ou bien 0,05, à ce niveau, quand ça va franchir ce niveau, on va encore vendre peut-être pour 0,02. Ou bien pour 0,801 et mettre le TP complètement en bas ici. Donc, on aura une première vente ici et une seconde vente ici. Donc, ce sera deux positions qui seront en cours et qui seront en bien si les prix descendent.
C'est bon pour tout le monde maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est le scénario sur le Warriors. Donc, rapidement, je vais passer sur le Gold. Donc ici, bon, ça, c'est le Gold. Ça, c'est un graphique hebdomadaire sur le Gold. Là, on a un graphique hebdomadaire weekly. Donc, en weekly, qu'est-ce qu'on a? On a tendance haussière, correction, consolidation. Donc, on peut tracer ça. Voilà. Donc, on a un truc comme ça. On a un support comme ça. Donc, bon, on a une forme de triangle, hein, triangle ascendant. Donc, ça, ça ne nous intéresse pas trop. On sait qu'en weekly, le gold est en consolidation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On repart sur notre graphique. Et oui. Voilà. On part en daily. Donc, en daily, qu'est-ce qu'on a? On peut tracer un support ascendant, passant par les creux, là. Hein. Voilà. Et on peut également tracer un autre support qui passe par ce creux, voilà. Voilà. Donc là, ceci on va bien voir ça en H4. Donc là directement, je ne vais pas trop tarder en délit. Et en délit, ce que je vais tracer, c'est bon, c'est tracé. On part maintenant en H4. Voilà. Donc en H4, voilà ce que j'avais tracé. On réajuste ça. Voilà. OK. Donc, voilà. Donc, en H4, qu'est-ce qu'on a? On a le gold qui est au-dessus d'une droite de tendance haussière. C'est bon. Maintenant, on va tracer les niveaux de support et de résistance. Partant du haut. On fait là, on fait ça. Voilà. Donc là, c'est le niveau de support de résistance. C'est le niveau où le prix a été rejeté que je viens de tracer. On a également les niveaux qui sont en bas ici. Voilà. On a là. On a là. Voilà. Et on a des niveaux plus bas. Ça ne sert à rien de tout tracer. C'est bon, c'est que, bon, parce que si on devait tout tracer, ça va vraiment encombrer le graphique et il y aura tout le droit sur le graphique. Donc là, c'est déjà bon. Ce que je viens de tracer, c'est bien bon. On peut déjà utiliser ça pour travailler. En plus de ça, en plus de cette super résistance qu'on a tracée, on a cette résistance baissière là, qui quitte ce sommet là et qui passe par celui-là. Bon, je vais changer la couleur, peut-être. Je vais mettre ça en bleu. Voilà. Donc voilà. Donc sur le gold, qu'est-ce qu'on a? On a droit de tendance haussière, le prix est au-dessus de la droite de tendance haussière. Là, on est en pleine correction. Ici, on est en train de corriger. C'est bon, on est en train de corriger en dessous d'une résistance baissière. Donc, le plan sur le gold serait quoi? Ici, on est en H4. Le plan sur le gold serait quoi? Lorsque les prix vont rebondir sur la résistance baissière, H4 qu'on a tracé, on peut chercher à vendre le gold pour revenir sur le support. Donc, dès que les prix vont taper ce niveau-là, on peut chercher à entrer en vente. En regardant les chandeliers, bien sûr, on ne va pas entrer automatiquement quand ça va taper. Quand ça va venir au niveau-là, on va zoomer. On va zoomer et bien voir comment le prix va se comporter sur la droite. Donc, si ça vient sur la droite et ça nous laisse un chandelier de retournement à la baisse, là, maintenant, on peut entrer en position à la vente. Vous pouvez également, toutefois, aller en H1. Pour le plan à la vente, vous pouvez aller en H1, essayer de tracer un support comme ça, passant par la mèche là. Voilà. Vous pouvez essayer de tracer, passant par les deux mèches là, les creux, les deux mèches là. Donc, on va tracer un petit creux comme ça. Certains peuvent également tracer un autre qui passe par là et qui passe par là également. C'est bon? Et dès que l'une de ces deux droites sera cassée, vous allez entrer en position à l'avance. Puisque là maintenant, actuellement, on est en train d'évoluer sur une petite droite de tendance haussière en H1. Donc, dès que cette petite droite de tendance haussière H1 sera brisée, on va vendre pour chercher des niveaux plus bas.
Donc, les niveaux à chercher, les TP, ne seront pas directement. On ne va pas directement aller à ce niveau-là parce qu'on a des niveaux intermédiaires comme cette zone-là. Par exemple, on a cette creux-là, par exemple. Vous voyez. Donc, dès que vous allez vendre, vous allez maintenant placer vos objectifs en fonction des niveaux à venir. En fonction des niveaux à venir. Donc, en TP, c'est ça. Moi, je trouve beaucoup plus en H4. Donc, je préfère vraiment attendre et voir comment le prix va se comporter, soit avec cette résistance baissière-là, ou bien si on va casser ça, si on va rebondir pour revenir en bas, ou bien si on va casser ça pour aller plus haut. Tout à l'heure, je parlais du plan à la vente. Donc, le plan à la vente, c'est rebond sur résistance baissière. On va entrer en vente sur rebond, sur la résistance, pour aller chercher la droite de résistance baissière. Le plan à l'achat, c'est quoi? On va attendre cassure. Quand ça va casser cette résistance baissière, on va entrer en position à l'achat pour aller viser chacun de ces niveaux-là. 1, 2, 3 et 4. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Mais le gold, moi, j'ai constaté que le gold, pour faire bouger le gold, là, c'est difficile. Hein? Oui, oui. Bon, actuellement, c'est en consolidation, mais quand ça commence, ça part vraiment. Quand ça commence, ça part vraiment. Donc, il faut être patient. Donc, maintenant, je vais voir sur NZDUSD. Sur NZDUSD, là, je suis sur le graphique daily toujours. C'est bon. Donc, sur le graphique daily, qu'est-ce qu'on a? On a une droite de tendance comme ça. Voilà. Voilà. On a cette droite de tendance aussi, là, qui a été cassée. On est en dessous de la droite. Donc là, en délit, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais il faut aller en H4 pour voir. Je ne suis pas en H4 maintenant. Parce qu'en délit, on n'a pas vu grand-chose. Donc, je ne suis pas en H4. En H4, je vois qu'on peut tracer une droite dans un spécial. Je trace ça. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est de la chance, hein. Mais avec ma, vous voyez ici, une fois, deux fois, trois fois, et ici, on est en train de buter ça. Donc, ça, c'est un très bon point d'entrée à la vente sur NZUSD. C'est un très bon point d'entrée. Je vais voir si on duplique. La mine, là, si ça va nous offrir un canal. Voilà. Vous voyez, ça nous offre un très beau canal descendant. Vous voyez, le prix, ça vient là, ça part, ça descend taper, ça tape, ça revient taper, ça tape, ça revient taper encore. Donc, on va vendre. À l'ouverture du marché, je pense que ça, c'est un trade qu'on va prendre en début de semaine. On va chercher à vendre, puisqu'on est en train d'assister à un rebond actuellement. On est en train d'assister à un rebond à la baisse. Donc, on va chercher à vendre pour viser des niveaux plus bas. D'abord, le premier niveau sera peut-être ce bas-là. Et après, on ira carrément chercher le bout de la mèche qui est ici. Donc là, actuellement sur NZDUSD, le premier plan, c'est le plan à la vente parce qu'on est en train d'assister à un rebond. Mais au cas où les prix vont casser cette résistance baissière-là, c'est-à-dire le canal, au cas où les prix vont franchir le canal par le haut, vont casser sur la résistance baissière par le haut, on va chercher à entrer à l'achat. Et quand on va entrer à l'achat, on aura des objectifs sur des niveaux comme ça. Voilà, cette mèche-là, on a également ce niveau-là. Donc, au fur et à mesure qu'on monte, il y aura des obstacles. Donc, c'est à vous de vraiment savoir quand est-ce que vous allez faire une sortie de position. Là, vous allez vraiment placer vos TP. C'est bon. Donc, je vous rappelle que le groupe de signaux sera ouvert déjà à partir du lundi. Et les abonnements maintenant sont trimestriels et ou annuels. C'est bon. Les abonnements sont trimestriels et ou annuels. L'abonnement trimestriel est de 40 000 francs et l'abonnement annuel est de 120 000 francs. Donc, tous ceux qui seraient intéressés par le groupe des signaux, on a déjà envoyé les signaux la semaine passée, vous avez certainement pu profiter. Tous ceux qui seront intéressés, vous pouvez déjà me contacter après ce Zoom-là. Vous pouvez me contacter, contacter une riche afin de pouvoir rejoindre le groupe.
Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, ça, certainement, ce sera un trait qu'on va envoyer la semaine à venir, je pense. Très bien. Je pense que Louis aussi va voir ça. Je pense qu'on va envoyer ça la semaine à venir. Donc, voilà. Donc, MZ et USD, le plan à la vente. Chercher à entrer en position à l'ouverture du marché, placer un stop juste au-dessus de ce sommet-là, viser un premier niveau qui est à ce niveau, un second niveau qui est à ce niveau. Au cas où les prix vont casser, on va acheter et viser ces zones-là. Donc ça, c'est le plan sur NZUSD. Donc, je vais passer sur AUSD et on va terminer avec les USD. Donc sur AUSD, bon, là, on n'a pas grand-chose en BI à tracer. Je prends en H4. Donc, en H4, qu'est-ce qu'on a? En H4, vous avez la possibilité sur AIDUSD de tracer une résistance baissière comme ça. Voilà. Donc, on peut tracer une résistance baissière comme ça. Vous voyez, sur AIDUSD, on peut également tracer une droite passant par les creux. Voilà. Donc là, actuellement, on peut dire que sur AIDUSD, on est en train de former un biseau descendant. On est en train de rebondir sur la résistance du biseau. Donc, on peut toutefois chercher un point d'entrée à la vente. N'oubliez pas, ici, on est sur les paires dans lesquelles le dollar est devise de contrepartie. Et on savait que le dollar est fort. Donc, si le dollar est fort, on va chercher à vendre les paires dans lesquelles le dollar est devise de contrepartie. C'est bon? Et là, on est en train d'avoir un bon scénario de vente sur ces paires-là. Donc, c'est bien. Il y a des trucs à vraiment privilégier. C'est bon? Donc, là, on peut déjà entrer en position à vendre et viser ce plus bas-là. À la cassure de la résistance, au cas où les cours vont casser par l'euro, on peut entrer en position à l'achat. Mais ça, ce serait du contenant. Ce serait aller contre la tendance de fond du dollar. Et on peut toujours entrer, prendre quelques pips et vite sortir. Donc, ça, c'est le scénario sur AUSD. AUSD, scénario pour la semaine à venir. Ce qui est sûr, au cas où il y aura des mises à jour, vous aurez ça dans le canal Telegram. Et oui, chez moi, nous avons du canal pratiquement tous les jours. Donc, s'il y a des mises à jour, nous faisons également les mises à jour et nous en avons. Donc, dès qu'il y aura des mises à jour, vous les aurez. Le plus tôt possible. Donc, maintenant, je vais rapidement analyser le pétrole. Le pétrole, oil, voilà. Donc, vous rappelez que le pétrole, c'est un truc qu'on suivait depuis la formation. Depuis la formation de Ouaga, donc on avait déjà tracé des trucs depuis. Je remets tout en place. Donc, on a ces zones-là. Voilà. Après ça, maintenant, on a. C'est droit et gauche, là, qu'on peut tracer. Voilà. On peut également tracer un peu comme ça, je crois. Voilà. Donc, ça, c'est le graphique. Là, je suis sur le graphique. Et je pars en H4 pour pouvoir mieux voir ce qui se passe sur le pétrole. Donc, je réajuste mes droites. Donc, je réajuste tout ça. Donc, vous voyez que le pétrole, on a évolué dans ce biseau. On a évolué dans ce biseau pendant un bon moment. On a eu cette baisse qui a été très violente. On a évolué, on a fait une correction et actuellement, on a cassé. C'est bon? On a cassé le support. Donc, si on a cassé le support, et puisque ce mouvement est une correction, cela veut dire qu'on aura un fort mouvement à la baisse. Il est probable qu'on ait un fort mouvement à la baisse. Donc, or, pendant la formation, on vous a dit que si vous voulez trader les peurs en cas, il faut avoir un œil sur le pétrole. Si, déjà, sur le graphique du pétrole, on est en train de casser un support comme ça, pour continuer une tendance baissière, cela voudrait dire que les devises, les paires de devises qui auront le CAD comme devise de base, on va également chercher à les vendre. Pourquoi? Parce que le CAD et le pétrole sont corrélés positivement. C'est bon. Donc, si le CAD est en train de baisser, le pétrole, et si le pétrole est en train de baisser, le CAD également va baisser. Donc, si, puisque ici, on est en train de passer en dessous d'un support, un support très important. Alors là, on va chercher uniquement des points d'entrée à la vente sur le CAD. On va chercher à vendre le CAD. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, on comprend.
Ok. Donc voilà. Donc puisque le pétrole est en train de passer à la baisse, on va chercher à vendre le câble. Donc cela voudrait simplement dire, c'est parce que moi je veux faire l'analyse de USD CAD que j'ai d'abord vu le graphique du pétrole, puisque je trade USD CAD. Donc si vous voulez trader les paires en CAD, il est très important pour vous d'aller voir le graphique du pétrole, comment le graphique du pétrole se comporte. Donc c'est vraiment très important. Donc on a cette rotation du pétrole. Donc le pétrole actuellement, on est en train de passer en tendance baissière. Donc ceux qui aimeraient trader le pétrole, ce n'est pas interdit de vendre le pétrole à ce prix-là. Mettre un stop loss complètement au sommet ici, RTP complètement en bas. Ce n'est pas interdit. C'est même. Ce sont un très bon ratio pour vous. Ce sont un très, très, très bon ratio pour vous et vous pouvez le vendre. Donc maintenant, je passe sur. Puisque j'ai terminé avec le trafic du pétrole, dès que le pétrole, on est en train de passer en tendance baissière. Là maintenant, je passe sur une paire en CAD. C'est bon. Ici, c'est USD CAD en données. Il y a une question. Oui. Voilà que pour le dollar, on va voir l'USD INX. Oui. Là, pour le CAD, je pense que c'est le pétrole qui est la base du CAD. Oui. Maintenant, au cas où USD INX monte, ça veut dire que le dollar monte, ou bien? Oui. Au cas où le pétrole également monte, ça veut dire que le dollar canadien va également monter. Oui, ça a fait du range. Puisque c'est USD CAD. Voilà, maintenant, si tu viens de voilà. Et que le câble aussi est en train de monter, il y aura un conflit et ça va faire du range pendant un moment. Mais arrivé à un moment donné, il y aura un qui va céder. C'est bon? Arrivé à un moment donné, le range sera cassé. Vous êtes d'accord avec moi? Et si le range est cassé, c'est une devise qui a cédé. D'accord, c'est bon. Ok. Donc ici, je suis sur le graphique de USD 4 en données. Derrière. Donc, là, actuellement, je peux tracer. Les supports, comme ça. Voilà. Je peux même essayer de dupliquer cette droite-là et voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Donc, sur USD CAD, actuellement, c'est ce qu'on a. On est dans ce canal-là, dans ce petit canal-là. Je peux même d'abord supprimer celle-là. Donc, actuellement, on est dans ce segment de canal viso là, parce que vous voyez, c'est pas très, très, très parallèle et c'est pas très, très, très viso non plus. Donc, en tout cas, on est à l'intérieur quand même. On est au-dessus d'un support, un support DI. Je ne suis pas en H4. Donc, puisqu'on est au-dessus d'un support DI, c'est bon. Cela voudrait dire que on est dans une tendance haussière sur USD CAD. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, si on est sur, si on est au-dessus d'un support, et je ne sais pas si vous voyez un peu, voilà. Donc, ici, on est au-dessus du support, et donc, c'est bon. Donc, si on est au-dessus de ce support, on va seulement chercher des points d'entrée à l'achat sur USD CAD. Et puisque sur notre pétrole, sur notre graphique du pétrole, le pétrole est en train de casser un support, cela voudrait dire que le CAD sera négatif. Et si le CAD est négatif, USD CAD va prendre de la valeur. Et si USD CAD va prendre de la valeur, ça nous avantage puisque notre scénario nous dit déjà qu'on est dans une tendance haussière. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est chercher des points d'entrée à l'achat. Comment chercher des points d'entrée à l'achat? On part sur des petits intervalles de temps. On part en H4. Donc, en H4, on peut tracer ce petit support-là. Je change la couleur, je mets ça en... Voilà. Donc, en H4, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit support qui a soutenu le prix une fois, deux fois ici. Donc, le prix peut revenir bondir si ça est reparti. Mais on a également ce niveau-là. Je zoome pour que vous puissiez bien voir. Donc, on a également ce niveau-là et cette zone-là. Voilà. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de revenir
sur ce niveau-là, les 1,33 sont à 15, je crois, les 1,33 sont à 15. Donc, si on franchit ce niveau-là, on ne va pas vendre. Parce qu'on sait que sur le cadre, on a une influence haussière. Ce qu'on pourrait chercher à faire, c'est quoi? C'est attendre que le prix revienne sur ce support-là. Le support que j'ai tracé là, qui est en primitive façon. Là. Donc, on va attendre que le prix revienne sur ce support-là pour entrer en position à l'achat et pour continuer à avancer. Puisqu'on sait déjà que le pétrole a cassé un support et que le pétrole et qu'il y a de fortes probabilités que le pétrole chute. Et puisque le cadre et le pétrole sont corrélés et qu'on va chercher à vendre le cadre, tout ce qu'on va faire sur USD 4, c'est seulement des points d'entrée à l'achat. Puisque dans USD 4, le cadre est devise de contrepartie. Et si on veut vendre le cadre dans USD 4, il faut acheter. Vous voyez donc, le plan sur USD 4, le plan à prévenir sur USD 4, c'est les points d'entrée à l'achat. La vente, vous pouvez prendre des ventes pour faire du scalping, trading news, vous pouvez le faire. Mais si c'est pour faire des trades au milieu du swing trading, c'est bien, ce serait mieux pour vous d'entrer à l'achat puisque la tendance de fond est haussière. C'est bon, vous avez compris? Oui, j'ai compris. Ok, c'est bon pour tout le monde. Monsieur Ozias, monsieur Yusuf. Oui, c'est bon. C'est super. Ok, madame Kone, c'est bon? Ok. Donc, magnifique. Donc, je continue avec maintenant. Je pars maintenant sur les indices. Parce qu'il y a certaines personnes qui trouvent les indices parmi nous. Donc, on va également faire quelques indices avant de clôturer la séance de ce soir. Donc, je commence par le SP500. Donc sur le SP500, ici je suis sur le graphique hebdomadaire. Donc sur le graphique hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? Bon. On est pleinement au-dessus d'une voie de tendance haussière. Bon, c'était un truc comme ça, c'était ça avant qu'il y ait eu cette fausse cassure. Donc on va réajuster et passer par cette mèche-là. Bon. Donc on est au-dessus. Une droite de monstre haussière en weekly. Donc, on passe en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a? On voit que on a atteint les sommets. Le sommet annuel. On est venu chercher le sommet annuel, pardon. Voilà. Donc, ici, sur le SP500, on est allé chercher les sommets annuels. C'est bon? Et dès qu'on est arrivé à ce niveau, on a essayé. Ça a fait une fausse cassure d'abord. C'est bon, ça a cassé le niveau des 2945-2946. Ça a cassé, on est allé à 2960. Et paf, on a essayé d'avalement baisser là. Vous voyez très bien avec moi que cette grosse bougie là, rouge, elle a avalé la bougie précédente. Cette bougie rouge a avalé la bougie précédente. Donc, on appelle ça avalement baisser et c'est un signal de vente. Puisque c'est sûr, c'est dans une zone de résistance qu'on a eu cette bougie-là. C'est bon? Donc, on a eu ce rejet-là, paf, dans cette zone de résistance. En plus de cela, si on prend en H4, on peut tracer une droite de tendance haussière comme ça. Voilà, qui a suivi. On devait tracer un petit truc comme ça, c'est bon. Il y a eu cassure ici, il y a eu cassure ici, c'est reparti. On trace encore un nouveau comme ça. Cassure, fausse cassure, c'est reparti. Ça fait n'importe quoi, c'est reparti. On réajuste encore. Je vous explique un peu le scénario. Hein. Fausse cassure encore et c'est reparti. Donc maintenant, on réajuste complètement. Là. Et là, maintenant, on a vraiment cassé. On est cassé. On a fait un pullback dans la zone. Je vous montre. On a cassé violemment, on est revenu tester la zone, on a fait un gap à l'ouverture du marché et actuellement on est à des niveaux bas. C'est bon? Donc, sur SP500, qu'est-ce qu'on a? Si vous regardez très bien, vous allez voir que c'est un biseau. Donc, ça, c'est un biseau ascendant qui a été cassé. Si vous ne voulez même pas tracer cette droite de tendance-là, ce support-là, qui est un peu bizarre, vous pouvez toutefois tracer un support passant par ce creux-là.
c'est du creux. Après, vous voyez mieux votre biseau. Donc, quand c'est comme ça, c'est plus propre. Après, vous voyez clairement. C'est bon. Donc, on peut considérer ce biseau-là qui a été cassé. Et les prix sont en bas. Donc, là, actuellement, sur le SP500, sur les indices, je pense que actuellement, sur les indices, c'est une baisse à venir. Parce que le SP500 qui a cassé un support sur un gros niveau, sur les plus hauts annuels, et on est en train de chuter. Alors, je pense vraiment que il y a une baisse à venir. Toutefois, on a des zones de résistance là, à surveiller très près. Et c'est ces zones-là qui vont définir si on va vraiment tomber ou pas. Donc, vous avez vu, ici, on a cette zone-là. On a tapé une fois, deux fois. On a tapé une fois ici. Et vous voyez la mèche, la grosse mèche-là. Quand on a chuté violemment le vendredi, quand on a chuté violemment, on est venu presque dans la zone. Et après, on est reparti. Cela voudrait dire qu'il y a beaucoup d'ordres en attente dans cette zone-là. Puisque c'est un niveau très fort. Donc, comment nous on pourrait agir? Comment les traders indices pourraient agir dès que le prix va franchir cette zone-là? Ce serait une couverture pour vous pour entrer en position, pour entrer en vente et aller chercher les plus bas. Je pense que c'est très possible. C'est très possible d'aller chercher les plus bas. Donc, si cette zone est franchie, la zone de 2800, 2830, si cette zone est franchie, je pense que ce sera un très bon signal de vente pour les traders indices pour aller chercher des niveaux plus bas. Pour aller chercher des niveaux plus bas. Et ce serait vraiment très intéressant parce que ce sera un très bon ratio. Regardez la distance de là à là et de là à là. Si vous mettez votre stop loss complètement au sommet ici pour aller viser le plus bas, complètement en bas ici, vous voyez le ratio est très 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 grand. Donc je pense que c'est un niveau à surveiller. Toutefois, vous pouvez faire du scalping sur les indices. Vous pouvez faire du scalping et au lieu de faire de l'intraday ou bien du swing, comme je l'expliquais tout à l'heure, en prenant ce trade-là pour aller viser les plus bas, vous pouvez chercher des petits points d'entrée à la vente. Mais je vous suggère vraiment de chercher des points d'entrée à la vente puisque actuellement, on est en train de passer dans une tendance baissière. Et puisqu'on est en train de passer dans une tendance baissière, les mouvements à privilégier, c'est les mouvements baissiers. Même si c'est du scalping, ce serait bon pour vous de prendre des baisses. Pourquoi? Parce que si vous prenez des baisses en scalping, ces petites baisses-là peuvent se transformer en intraday pour vous et vous aurez, au lieu de prendre quelques plus seulement, vous aurez un très gros gain. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, même si c'est du scalping, vous voulez faire cette mise-là, puisqu'on est en train de passer en tendance baissière actuellement, ce serait mieux de scalper seulement à la baisse. Scalper seulement à la baisse. Même au-dessus du signe, puisque c'est du scalping, on s'en fout que ce soit sous ce niveau-là. Même ici, vous pouvez déjà tracer vos petits doigts de tendance en H1 ou bien en M15. Donc, on peut tracer des petits trucs en M15. Voilà, par exemple, on a. Voilà, cette petite résistance baissière qui est là, vous dites que, ok, je suis en M15, dès que cette résistance sera cassée, je vais rapidement entrer en position et aller prendre un TP peut-être quelque part ici. Un TP quelque part dans la zone là. Donc, ça va être un mouvement très rapide, puisque c'est les scalping en fait. Et puisque les indices sont volatiles, vous n'allez pas trop tarder. Vous n'allez pas trop tarder. Mais je vous dis quand même que, vu qu'on est déjà en train d'entrer dans une tendance baissière, ce serait bon de scalper à la baisse. Ce serait bon de scalper à la baisse. Oui, je n'ai pas oublié la question. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, par rapport aux indices, est-ce que c'est bon? Vous avez compris? Donc, actuellement, sur les indices, le SP500 est en train de passer baissier. Et si le SP500 est en train de passer baissier, je pense que 80% des indices seront en train de passer baissier. Puisque le SP500 est la mer, donc c'est comme l'IS-GMI, c'est un indice. Donc je pense que la majorité va suivre. Donc on va voir tout à l'heure avec les autres indices, on va voir comment les autres se comportent. Donc le SP500 est baissier, on va chercher des points d'entrée
à l'avance, le niveau des points d'entrée à l'avance. Et le meilleur point d'entrée à l'avance serait la cassure de ce niveau-là, la cassure de cette zone-là, pour aller chercher les plus bas. Donc maintenant, je vais continuer avec le DAS 30, le SOR 30. Donc sur le DAS 30, qu'est-ce qu'on a? Ici, je suis toujours sur le graphique TI. Je passe, je regarde le graphique hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, on voit qu'on est pleinement en tendance aussi, le prix est en train de monter. Donc, on peut tracer un truc comme ça. On peut également tracer un truc comme ça. On peut également passer un truc comme ça. Donc, ça, c'est sur le graphique weekly, ça. Donc, on passe maintenant en daily. On passe en daily. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à tracer, à part les niveaux de support et de résistance qui sont là. 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 Voilà. Donc, maintenant, je passe en H4. Donc, en H4, ici, on voit que, on voit clairement qu'on a une petite tendance haussière qu'on peut tracer en H4. Donc, je la trace. Donc, là, vous voyez que, après avoir tracé ça, quand j'ai dupliqué, ça nous a donné un canal ascendant. Donc, actuellement, on est dans le canal ascendant. Mais, si vous regardez très bien, vous allez voir que, puisque le SP500 a baissé la semaine passée, si on trace également cette voie de tendance haussière sur le DAS, eh bien, en passant par ce creux-là, voilà, on voit que ici également, on a chuté. Si je passe sur le graphique du SP500, d'ailleurs, on a chuté sur le DAS. On a chuté. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment corrélés. Puisque le SP500 est la merde de l'indice. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment corrélés. Mais sur le DAS, comment vous allez agir? Vous n'allez pas faire le même plan que sur le SP500. Sur le DAS, plutôt, puisqu'on est dans un canal ascendant, vous allez chercher à vendre seulement après cassure de la bande inférieure du canal. Cela vous dit quoi? On sait seulement lorsque le prix va revenir casser ce support-là, ce qu'on a tracé là. Seulement lorsque le prix va casser ça à la baisse, que vous allez vendre. Et dès que vous allez vendre, votre premier TP sera ici. Sur ce premier niveau-là. C'est bon? Le second TP sera ici. Et pour le troisième TP, vous pouvez mettre ça complètement en bas. Puisque la tendance de fond est haussière, quand on va casser ça, on va chercher. Les prix vont probablement aller chercher le support. Et puisque les prix vont probablement aller chercher le support, ce serait bon d'être dans la position de plus de haut ici pour pouvoir profiter de toute la baisse. Donc, dès qu'on va casser ce canal à ce moment-là, on va chercher à entrer avant et profiter du mouvement baissier. Donc, ça, c'est sur le DAS, le G30, sur une scène. Donc, le plan ici, c'est vente sur cassure du support pour aller chercher d'abord ce niveau. Ensuite, ce niveau, et après, le niveau plus bas. Certains peuvent choisir ce niveau-là, certains peuvent choisir celui-là, certains peuvent choisir le plus bas qui est complètement en bas là. Donc, c'est au choix. Ce qui est sûr, quand on va franchir cette zone, la probabilité qu'on vienne ici, elle est très forte. Maintenant, comme il faut toujours avoir également un plan, comme il faut toujours avoir deux plans, là, tout à l'heure, j'ai donné le plan à la vente. Vous pouvez également chercher le plan à la vente. Au cas où le prix va revenir sur le support, il va laisser des chandelles de retour à la hausse. Vous pouvez entrer en position à l'achat. Donc, ce n'est pas interdit d'acheter également. Mais puisque le SP500 est baissé actuellement, ce serait bien de privilégier les ventes sur les indices. Donc, voilà. Donc, maintenant, je pense que le Nasdaq. Je regarde les graphiques. Le graphique hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, voilà ce qu'on a. Je vais mettre un récit pour voir si on n'a pas une différence par là. Non, on n'a pas de différence. Je vais voir comment je suis. Voilà,
mensuel, on a une divergence. Regardez. C'est un mensuel. Une divergence en mensuel. Donc, des sommets de plus en plus haut sur le prix, mais des sommets de plus en plus bas sur le prix. S'il vous plaît, il faut couper vos micros là. Il y a des gens qui coupent vos micros. Et puis il a pris là. Coupez vos micros s'il vous plaît. S'il vous plaît, coupez vos micros. Des pardon. OK. Bon, sur le Nasdaq. Sur le graphique mensuel, vous avez vu, là, on a une divergence baissière. Donc, si on a une divergence baissière en mensuel, ça, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Bon, le gars, là, il déconne. Il faut l'éjecter. Il faut l'éjecter et puis, bon, il va se reconnecter. Ok, on continue. Bon, il ne reste plus grand-chose, c'est juste le Nasdaq. Donc, je disais tantôt que sur le graphique mensuel, c'est bon, on a une divergence de ciel propre, bien clair. Tu parles en weekly? Comme ça d'abord, comme ça également. Donc, en weekly, qu'est-ce qu'on a? On est dans une tendance haussière. Donc, vous voyez, le prix ne fait que monter. Donc, on est dans une tendance haussière. Je peux en venir pour pouvoir tracer les supports et les résistances. Hein. Donc, en D1, on a la possibilité de tracer une loi de tendance. Passons par les creux. Hein. Voilà. Voilà. On avait ce sommet annuel qui avait été franchi, je pense, il y a 2 semaines, je pense, et les prix ont réintégré. Les prix ont réintégré. Normalement, quand on a franchi, vous avez vu, on a franchi ici, on a fait un pullback, on a essayé de repartir, mais paf, après on est revenu. Vous savez que ce niveau est très défendu par les vendeurs. Ce niveau est très défendu par les vendeurs. Donc, on a franchi le niveau, on est actuellement en dessous de ce niveau-là. Mais, je pars sur le graphique H4. Sur le graphique H4, on peut tracer ça. C'est très propre. On peut tracer ceci également. Donc, c'est un biseau qui a été cassé. Donc là, on a franchi la zone 1. Donc, comme sur le SP500, vous avez vu, je vous disais tout à l'heure que le SP500 est la merde. SP500 est passé baissier et tous les autres sont en train de passer baissier. Si vous allez sur n'importe quel indice, je pense quand même que vous allez voir que c'est en train de... Ça passe baissier. Donc, actuellement, sur le Nasdaq, je pense qu'on est en dessous d'un niveau clé. On est en dessous d'un niveau clé. La semaine passée, on a rebondi sur cette zone-là. Voilà. La semaine passée, on est venu l'attaque. On a rebondi. On est revenu encore une seconde fois. On a essayé de franchir violemment et on est reparti. Donc, comme sur le SP500, également sur le Nasdaq, on va suivre cette zone-là. Pour les traders, pour les day traders et les swing traders. Donc, on va suivre cette zone-là et entrer en position à la vente, à la cassure. Donc, dès que le prix va clôturer en dessous de cette zone-là, donc on va pouvoir aller chercher des niveaux plus bas. Puisqu'on a cassé un biseau, donc théoriquement, le cours dit que si on casse le biseau, théoriquement, on va complètement chercher le plus bas. Mais la partie, c'est toute autre chose. Mais quand même, dès qu'on va franchir ce niveau, on va vendre et viser le niveau à venir. Premièrement, on aura ce niveau-là. Voilà. Après, on aura là.
point noir. Ceci, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas tout tracer. Parce que si on trace tout, ça va carrément accommoder le graphique. Donc, au fur et à mesure que le prix sera un peu évolué, au fur et à mesure que vous allez déterminer les niveaux et les placer, et savoir comment vous allez agir sur ces niveaux-là. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui, c'est bon. Ok. Oui, c'est bon, ça va. Ok, donc, analyse graphique, je pense que c'est terminé. Maintenant, il y a un petit truc là. Il y a un petit truc sur lequel je voudrais revenir pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Donc, si vous connaissez les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, je vais vous montrer un truc rapidement. Moi, en tout cas, j'entends parler de ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc les crypto-monnaies sont des monnaies électroniques. C'est bon? Les monnaies électroniques, vous n'avez pas, bon, nous, on n'a pas besoin d'avoir ça, mais on peut trader ça quand même. Donc, c'est disponible sur des plateformes de trading, c'est disponible chez certains brokers et vous pouvez trader. Je vais vous montrer rapidement le Bitcoin. Donc, on a le Bitcoin, qui est la crypto-mère. Donc, vous avez vu l'année passée, en 2017, le Bitcoin est allé jusqu'à 20 000 $. Donc, pour ceux qui avaient le Bitcoin, c'est bon. Ils ont pu profiter de toute cette hausse-là. Et après, on a corrigé violemment. Mais actuellement, on est en train de franchir un niveau clé sur le Bitcoin. Je tenais à vous informer au cas où certains seraient intéressés. Je ne vends pas du Bitcoin, donc ce n'est pas du marketing. C'est juste de la liste technique que je suis en train de faire. Donc, au cas où certains seraient intéressés pour trader le Bitcoin, il y a des brokers, notamment Jabs, qui proposent ça. Vous pouvez aller là-bas. Actuellement, on est en train de franchir un niveau clé sur le Bitcoin. Donc, vous pouvez entrer en position à l'achat sur le Bitcoin à ce niveau-là. Ou peut-être un peu au-dessus des 7 000 $. Vous allez mettre votre stop loss complètement en bas ici, sous les 3 000. Et votre TP sera complètement au niveau des 20 000. Et un très bon trade, je pense que j'envisage prendre ces trades-là. Je compte déjà ouvrir mon compte, c'est Jabs. Parce que ce sera très intéressant, puisque quand ça va vraiment repartir. Vous avez vu, on a eu un mouvement comme ça, on a corrigé violemment, donc c'est pour repartir. Donc si on franchit ce niveau-là, ça peut repartir. Donc vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qu'on fait ici, c'est risqué. C'est bon? Donc vous n'allez pas investir ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Donc ça, c'est juste une information que je vous donne. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste une information. Donc c'est à vous de juger bon. Si cela vous dit de tenter, d'essayer et voir ce que ça va donner. Donc, vous pouvez faire vos recherches personnelles sur ça, sur le Bitcoin, les graphiques du Bitcoin, aller sur le net, fouiller et voir. Donc, c'était juste une information que je vous apporter. Donc, voilà. Je pense que pour ce soir, on a terminé. Demain, je vais envoyer la revue de marché et demander et vous allez mieux voir les analyses et tout. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, non, non. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, je rappelle à tous ceux qui n'étaient pas là que le groupe VIP... Oui, pardon. C'est par rapport au Bitcoin, là. Oui. Est-ce que les frais ne sont pas élevés? Oui, les frais sont élevés. Les frais sont élevés, mais chez Jabs, je pense que chez Jabs, c'est un peu moindre. En tout cas, moi, c'est ma première fois que je vais essayer. C'est la première fois que je vais trader le Bitcoin en crypto direct comme ça sur le marché du Forest. C'est la première fois que je vais faire ça. Donc, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir et vous tenir. Okay. Si ce n'est pas possible, si on ne peut pas le faire, je vous dis quand même. Ouais, d'accord. Donc, peut-être essayer de voir. Peut-être, pas souvent, il y a un sort minimum souvent pour traiter les Bitcoin. Oui, je vais voir. Je vais aller sur le site de Jabs et voir. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc, on reste à l'écoute. Ok, d'accord. Okay.
Donc, je voulais rappeler que le groupe VIP sera ouvert déjà dès lundi. Et tous ceux qui veulent intégrer le groupe VIP, vous pouvez déjà vous abonner. Il y a l'abonnement trimestriel et l'abonnement annuel. L'abonnement trimestriel qui est à 40 francs et l'abonnement annuel qui est à 120 francs. Donc, vous allez peut-être essayer vos premiers 3 mois avec nous et voir ce que ça va donner. Mais je pense quand même que le résultat sera certainement positif. Je ne pense pas que ça pourrait être négatif quand même. Et on verra bien comment gérer. Donc voilà, donc c'est pour vous informer. Merci beaucoup pour avoir participé à la séance. Il y a une question. À vous de marcher. Merci à vous aussi. Ok, oui. Merci, bonne soirée. Oui, merci. Par rapport à la question de M. Fred, oui. On va essayer de faire une séance sur ça. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire une séance sur ça. Peut-être dans la semaine. Ok, donc merci beaucoup et agréable nuit à tous. Bon dimanche et que Dieu nous garde pour la semaine à venir.